Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV, on se retrouve pour ce 8ème épisode sur le let's play de Factorio. Alors, comme vous pouvez le voir, pas mal de choses ont changé, comme prévu, j'ai mis du béton un peu partout pour me déplacer beaucoup plus facilement. Je me suis même fait une petite avenue lumineuse ici, d'ailleurs j'ai un petit trou au niveau du radar, il faudra que je corrige ça. Quels autres changements ont eu lieu ? Eh bien, tout simplement, j'ai préparé la fabrication des potions bleues. Alors, pour cela, rien de compliqué. D'un côté, j'ai récupéré les circuits rouges. Et après, de l'autre côté, j'ai tiré une ligne d'acier, une ligne de fer, une ligne de circuit vert pour faire tout ce qui était foreuse. Les foreuses électriques et les moteurs. Donc deux usines d'engrenage et deux usines de tuyaux pour les moteurs. Là ça a l'air de bien se passer. Ça construit, ça stack, donc tout va bien. Par contre je me rends compte que là... Ah ben j'ai les engrenages qui viennent sur le tapis de tuyaux. Non c'est parce que j'ai pas tiré... Je vais commencer à tirer les lignes pour mettre en place les usines de potions. Et j'ai pas tiré les bonnes lignes. Donc on corrige ça tout de suite. Alors pour les potions, il faut un élément de chaque. Alors évidemment... Je repars vers la gauche puisque je veux me rapprocher des stations de recherche qui sont ici. Et alors, est-ce que je pousse encore un peu plus loin? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va essayer de se rapprocher un maximum, hein. On va pas faire la fine bouche sur les tapis. On a ce qu'il faut. Voilà, et on va mettre en place donc toute la série d'usines pour les potions bleues. Alors, 2, 4, 6, 8. Alors, on va essayer de faire un petit calcul. On va regarder combien on a d'usines pour les potions rouges. Alors, on en a 2, 4, 6, 8. Mais les potions rouges se fabriquent en 5 secondes. Les potions vertes se fabriquent en 6 secondes et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour l'instant, étant donné que la plupart des recherches nécessitent autant de potions rouges que de potions vertes que de potions bleues, pour la plupart je crois, ouais, c'est même quasiment le cas partout. Du coup on va être limité par les potions vertes puisqu'on a 8 usines qui fabriquent une potion en 6 secondes. Et pour les potions bleues, elles se fabriquent en 12 secondes. Donc on va faire un petit calcul. Je vais essayer de calculer ça rapidement pour voir combien d'usines je vais avoir besoin. Mais c'est le double, hein, tout simplement. C'est le double. C'est pas plus compliqué que ça. Donc 2, 4, 6, 8. Donc il faut que je fasse au moins 16 usines de potions bleues si je vais avoir, à la minute, autant de potions bleues que de potions vertes. Je pensais pas que ça ferait autant que ça, mais finalement c'est logique. Donc on va en mettre 16. 12 secondes, je pense qu'on peut utiliser le bras classique. On a pas besoin de bras rapide. Hein. On a largement le temps de prendre tous les éléments dont il a besoin. Et évidemment, on va mettre des bras longs pour les récupérer. Les éléments qui sont les plus éloignés. Voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre la sortie. Ah, j'ai plus de tapis. Je vais chercher ça et je fais la sortie. À tout de suite. Voilà. Dernière chose que je vais mettre en place, c'est un tampon. Avec un coffre en acier,
Barre rapide. Voilà, comme ça, si j'ai des recherches qui traînent un peu, ça continuera à produire et ça remplira le coffre. Et on va insérer les potions bleues à l'intérieur. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Ce serait pas mal que je change ça aussi. Mettre tout en rouge. Ça fait un peu tâche quand même. Et on va pouvoir lancer notre recherche. Alors, on va essayer de voir de quoi on va avoir besoin rapidement. L'énergie nucléaire me botte bien. C'est 1000, par contre, ça va être assez long. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant? Le robot pour personnel. Ça peut être pas mal du tout pour commencer à avoir mes propres petits robots de construction. J'ai également à disposition la recherche pour les fours électriques, mais les fours électriques je n'y passerai que quand je serai passé à l'énergie nucléaire, sinon ça va me demander beaucoup trop de ressources. Le raffinage avancé du pétrole, ça me branche pas mal pour faire des économies de pétrole assez rapidement. Je pense que je vais commencer par ça, c'est 75 de recherche, 75 potions de chaque. Donc c'est pas trop long normalement. Voilà, on voit que ça alimente bien. Les bras arrivent à attraper les potions. Je vais passer le reste des tapis également en tapis rapide. On voit que c'est assez rapide hein, les recherches. Voilà, le pétrole avancé c'est fait, donc on va faire le robot pas personnel, c'est pareil, 50 potions, ça devrait être assez rapide. Je vais aller chercher du bras, je vais aller chercher des bras, des tapis, il m'en manque encore, je sais que j'en avais pris pas mal, finalement je n'ai pas pris assez. On va déposer cela. Je commence à être limite ici en place. On va mettre un coffre en acier qui est plus grand. Voilà. Donc on voit hein, sur le béton, je me déplace beaucoup plus rapidement que sur l'herbe. Donc ça me fait gagner du temps. Au niveau des potions bleues, ça a l'air de construire assez rapidement. On voit que ça, toutes les stations sont alimentées en potions bleues. Donc a priori ça a l'air d'avoir le bon rythme, voyons voir ici, alors par contre ici j'ai l'air de manquer de moteur, c'est ça qui a l'air de pêcher un peu, là il a fait le plein, là il en a 3, là aussi, alors ça c'est fait, est-ce qu'il y a quelque chose, oui c'est le poste électrique, ça aussi c'est très important. Pareil, c'est 100, donc avec toutes les stations de recherche que j'ai, ça va être assez rapide, donc on va faire ça tout de suite. Et après, on attaquera, je pense, l'énergie nucléaire. Ça va être vraiment la prochaine étape, avec peut-être les potions de recherche noires. Ça va être intéressant à faire pour dégager un petit peu, pour me débloquer tout ce qui est militaire et dégager un peu tous les camps de Biters. D'ailleurs, on va regarder un peu ce qu'ont découvert les radars que j'ai posés. Alors d'accord, ici c'est pareil, on va tomber sur une partie a priori péninsulaire. 2,5 millions de fer, ça c'est quand même pas mal. Mais voilà, il y a du biters un petit peu par ici, donc on va falloir le dégager. Par ici, ah mais voilà, 6,5 millions, voilà. Ça va être ma plaque de fer, je vais pas dire principale, mais ça va être très intéressant d'aller la chercher. Et pas trop loin de ce côté là je sais pas ce qu'il va y avoir, ça a l'air pareil d'être parce que ça c'est qu'un lac, est-ce que là il y a encore un bout de terre vers le nord, ça a l'air beaucoup plus dégagé par ici aussi. Ah, on voit qu'ici on atteint la limite et ici aussi, donc pouvoir aller également fouiller par là, j'irai poser des radars un peu comme j'ai fait là, m'éloigner beaucoup de la base principale pour les poser des radars pour que ça cherche un petit peu ce dont je vais avoir besoin. Au niveau des moteurs, a priori je fabrique pas assez de moteurs, je pensais pas que j'allais avoir autant de... Ah, j'ai un problème d'électricité aussi, je viens de le voir,
Ah oui. Donc on va corriger ça très rapidement. On va essayer de corriger ça. Il faut vraiment que, il va falloir que je passe à l'énergie nucléaire très très rapidement parce que là, sinon je vais commencer à être très très limite. Évidemment, du coup, plus rien alimenté. Alors que je recommence à alimenter à la main, je pense. D'où l'intérêt peut-être de mettre aussi du bras thermique ici. C'est pas très joli, mais ça fonctionne tout seul. Donc, du coup, ça permet de réalimenter, on va dire un peu en urgence. Voilà. Ça alimente 2-3 machines. Juste essayer de redémarrer tout ça, histoire que les foreuses se remettent à fonctionner. Là, c'est pareil, en fait, je vais être en manque de charbon. On va modifier tout ça. Lui. Pourquoi lui ne fonctionne pas par contre? Ah ben, c'est pareil, ça doit être vide dessous. Voilà. On va la couper celle-là, on va la laisser se remplir. Et ça me servira en cas d'urgence. Je vais remettre de la foreuse thermique comme ceci, comme ça. Et on va partir par le haut plutôt. Comme ça, et comme ça. On va bien alimenter la première. Lui va se stacker. Ils vont tous se stacker. Du coup, quand j'aurai besoin d'un peu de. Hop, je ferai comme ça. Ça videra la réserve. On va refaire. On va refaire les foreuses. Ça alimente pas du tout assez vite là. C'est une catastrophe. Si je mettais des bras aussi là où il y en a besoin, ça fonctionnerait peut-être mieux. Voilà. Donc j'ai vraiment vraiment pas assez de charbon. On va passer également en tapis rapide. Se refaire une ligne de foreuse. Là, j'ai pas besoin d'un gros rendement, donc je vais espacer. Je cherche l'efficacité et l'économie en énergie. Ok, donc on va refaire les recherches nucléaires parce que là il y a vraiment urgence. On va refaire quelques foreuses. Passe comment en fait ça cumule pas, je pensais que ça cumulait mais ça cumule pas. Alors ce qu'on va faire, on va mettre un bras
dans un coffre en acier pour stocker. Et on va mettre un bras ici. Alors je sais pas si je peux mettre une condition par rapport à l'énergie. Je pense que je peux. Je sais pas comment je peux faire ça. J'ai jamais testé de faire des circuits logiques liés aux turbines à vapeur. Je sais qu'on peut mettre sur les pompes. Je suis pas certain qu'on puisse brancher. Non. Et ça. Non, a priori on peut pas le brancher non plus. Il va falloir que je fasse autrement. Donc je finis de mettre à jour tout ça. Et on va aller voir nos fabrications de moteurs pour les potions bleues. A priori, il n'y en a pas assez, il faut que j'en rajoute. Pareil, on va essayer de faire un petit calcul de rentabilité. Essayer de calculer combien il m'en faut exactement. Alors, je crois savoir comment je vais faire mon circuit logique. On va prendre un comparateur. Je vais me refaire un petit peu de câble. Le comparateur, on va le mettre... il va falloir un poteau, je pense, ici, entre les deux. On va mettre le comparateur... on va le mettre ici, à ce niveau-là. On va vérifier ce que contient ce tapis. Celui-là, par exemple. Donc le tapis, on va lui dire lire le contenu du convoyeur. On continue. Voilà. Là, on voit qu'il est à 6, donc a priori, il est plein. 6, 7, on va dire. Donc il est plein. Et on va utiliser la sortie vers ici et on va lui dire que si le charbon est strictement inférieur à, on va dire, 4, c'est-à-dire que le tapis est vraiment en train de se vider, alors en sortie on va envoyer un signal rouge. On va coller dans une lampe aussi. Ça, c'est juste pour la déco. Toi, ce sera rouge. Utiliser les couleurs. Si rouge est supérieur à 1, elle s'allumera en rouge. Et toi, tu vas t'activer à la condition que le signal rouge soit à 1. Donc là, on voit, il s'active pas. Il reste statique. Si je coupe ici ça va se vider. On va regarder le signal. Voilà, on a 4. Voilà, là ça s'allume. Je suis plus qu'à 3. On voit en bas à droite, je suis plus qu'à 3. 3 charbons sur le tapis. Ça veut dire que le tapis commence à se vider. Du coup, lui, il alimente ici. Ça marche. Et du coup, j'utilise mon système de secours. Donc ça, c'est pas mal. Mais il va falloir également. Hop, voilà, le tapis se remplit.
la lampe s'éteint et le bras s'éteint également. Mon système de secours c'est bien, mais il faudrait que j'en sois informé. Donc on va essayer de mettre également un signal d'alarme. La petite nouveauté également de cette version. Haut-parleur programmable. On va le mettre ici, par ici, à côté du calculateur. On branche ici, on lui dit si le signal rouge est supérieur à 0. Son sur toute la map, afficher alerte. Alerte. Panne de courant Nantes. Et l'alarme. Voilà. La sonnerie, c'est pas terrible, terrible. Voilà, ça c'est bien. On peut mettre d'autres bruits, on peut même faire de la musique avec ce signal. Voilà. On va mettre sonnerie, on a dit. Ah ben voilà, une sirène d'alarme. Très bien. Voilà, et on va vérifier que ça fonctionne bien. On coupe ici, on regarde, voilà, ça s'allume et ça sonne. Impeccable. Il est censé m'afficher un message par contre. Je sais pas où est-ce qu'il s'affiche le message. Paramètres d'alarme, signal rouge. Afficher une icône sur la map. Alors on vérifie ça. D'accord. Ok, ça clignote ici en fait. Donc ça c'est pas mal. Par contre le message... il est censé m'afficher un message mais je sais pas où il s'affiche. Afficher une icône sur la map. Panne de courant imminente. Bon. Écoutez déjà ça sera pas mal, je serai informé. Si jamais il y a un problème. Donc s'il y a un problème au niveau du charbon ici. Que je manque de charbon, et eh bien tout le système de sécurité se met en route. Je pourrais d'ailleurs faire quelque chose d'un peu plus, bon, un peu plus esthétique, on va dire. Je pourrais mettre tout simplement une foreuse électrique. Je vois pourquoi je m'embête avec avec les foreuses thermiques. Parce que de toute façon je vais pas les surveiller, donc au bout d'un moment elles vont forcément arriver à être vides de... En tout cas pour la première d'entre elles, ça va se vider en charbon. Et du coup je vais être embêté. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Lui ça charge. Mettre du stock. Voilà. Donc là j'ai mon tampon qui va être alimenté par cette, peut-être même en mettre une deuxième pour être sûr. Et je pourrais même mettre un bras haute capacité pour décharger. On va couper ici. Parce que du coup il a pris, oui. En le remplaçant, il a pris les paramètres de programmation que je lui avais donné. Donc ça, c'est très bien. J'ai pas besoin de les refaire. Au niveau lumière, je pense qu'on est bon. Et donc j'ai deux foreuses électriques qui alimentent ce coffre de sécurité, on va dire. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'ici, je vais continuer à alimenter... Alors, il faudrait que je vais faire autre chose. Comment je vais faire ça? Je vais tirer le signal rouge, enfin, le fil rouge, qui contient le signal rouge. On va le mettre ici.
Là c'est trop loin, faudrait que je mette un pylône en fait pour gagner la place. Ah, ça va être dégueulasse. C'est pas grave, on a un pylône comme ceci. On va tirer le signal rouge donc qui arrive ici jusque là. Pourquoi j'ai pas le signal. Non, mais j'ai pas de signal de sortie, c'est normal puisque le signal rouge n'est pas activé. Avec un autre pylône, on peut aller. Alors, je peux peut-être le brancher jusque là. On va voir. Ouais. Je le mets ici. Je le renvoie ici. Alors pourquoi je renvoie le signal rouge jusque là? Tout simplement parce que je vais mettre une nouvelle condition. Voilà. Je lui dis que si le signal rouge est supérieur à 1, alors... J'ai même pas besoin du comparateur en fait. J'ai pas besoin du comparateur puisque je vais brancher ça directement. J'ai plus de fil rouge. Là, quand on les casse les fils, ils disparaissent, on les récupère pas. Donc je vais brancher directement ça ici. Et toi je vais te dire activer, désactiver, condition d'activation, signal rouge, différentes 0. Non. Tu ne t'actives que le signe. Que si le signal rouge est égal à 0. Voilà. Donc là, il doit fonctionner normalement. On va vérifier. On va prendre un peu de charbon. Voilà. Là, ça tourne. Et si mon alarme se met en route, ce tapis-là va s'arrêter. Ici, là ça va se vider, l'alarme va se mettre en route, le bouton ici va s'allumer. Je vais couper, je vais enlever le tapis hein, pour pas vider le buffer, mais on voit bien que ça fonctionne. Et ici, normalement, le tapis s'est arrêté. Comment je vais voir ça? Attends, si je coupe ici. Si je prends du... Enfin, si je prends plus de charbon, forcément. Voilà. Et là, le tapis s'arrête. C'est-à-dire que, grosso modo, on arrête d'alimenter les fours et la petite usine qui est ici et tout ça. Tout ça, on ne l'alimente plus. Il n'y en a plus besoin. Donc, on n'alimente plus. Le tapis s'arrête. Dès qu'on va remettre en place... Dès qu'on aura résolu le problème... Hop, voilà, le tapis se remet à fonctionner. Voilà, petit système de sécurité pour l'électricité. C'est toujours pratique. Et je vais remettre le tapis au niveau du buffer. Sinon, ce que j'aurais fait n'aura pas servi à grand chose. Alors, voilà, moi, ça me... maintenant que je sais un peu gérer les systèmes logiques, j'adore faire ce genre de petit système. Je sais pas si c'est vraiment utile, si c'est vraiment... ultra efficace, mais en tout cas voilà, moi c'est ça que j'adore dans ce jeu là, c'est que on se fait ses propres systèmes et j'ai tellement galéré avec les systèmes logiques, je comprenais tellement rien que ça m'a énervé. C'est pour ça que je vous ai fait des tutos d'ailleurs, parce que je savais très bien, je me doutais que je devais pas être le seul à galérer sur les circuits logiques. Donc bah écoutez, je me suis penché sur la question et je vous ai fait ces petits tutos. Alors là au niveau des moteurs, effectivement on n'a pas du tout assez. Donc on fabrique une potion, donc il a besoin de 16 moteurs. Et 16 moteurs, grosso modo, ça va tenir 12 secondes. Et là, un moteur se fabrique en 10 secondes. Ah bah oui, si déjà... j'avais oublié que j'avais des machines ici. Comment
Comment je les insère ici du bon côté. Si je mets un bras, je sais pas de quel côté il va poser le moteur. Je sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Ah, c'est à droite, donc ça va. C'est du bon côté, on garde les moteurs à droite et les foreuses à gauche. Donc là déjà, ça devrait marcher un peu mieux. Un moteur se fait en 10 secondes. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah du coup, ça devrait faire le compte normalement. Ça devrait faire le compte. Un peu de choses près, on devrait être bon. C'est juste qu'effectivement, j'avais deux usines qui n'arrivaient pas à lâcher ce qu'ils avaient. Est-ce que j'ai du moteur sur moi? Oui. On va les mettre là. Comme ça, ça va vider, ça va essayer de remplir un petit peu les tapis, remplir un peu le... pas le buffer, mais on va essayer de stacker. Et je vais attendre quelques secondes pour voir si ça fonctionne bien. On voit que toute la série de moteurs arrive ici, là, celle que je viens de poser. Et on va voir si ça suffit à tout alimenter. Elle ne fonctionne pas, il manque de moteur. Bon, je vais manquer d'usine de moteur. Faudrait que j'arrive à me trouver un système de calcul, me faire une petite feuille Excel ou quelque chose comme ça pour calculer exactement au niveau du temps. Parce que là, je suis un peu à l'arrache. C'est un peu à vue de nez, on va dire, et c'est pas très très propre. Si je veux vraiment optimiser, il faudrait que je fasse un vrai calcul. J'essaierai de faire ça pour la prochaine fois. Voilà, j'ai rajouté deux usines de moteurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. J'essaie de calculer ça et je reviens vers vous quand même. J'aimerais bien vous donner la solution avant la fin de l'épisode. Je vais laisser tourner un peu l'usine pour voir si du coup là maintenant ça suffit, si ça stack. Alors on voit que ça construit bien au niveau des tuyaux et des engrenages, il y a largement ce qu'il faut, à part ici. Voilà, je manque d'engrenages, donc ça peut être les... du coup... Alors elles se construisent en 2 secondes, donc c'est pas très très... c'est pas très très long. Et c'est ici que je vais manquer d'usine d'engrenages. On voit que ça rame un peu, on va en rajouter deux. Les engrenages, ça consomme vraiment énormément, c'est vraiment un gouffre en fer, vraiment un enfer. C'est un mauvais jeu de mots. Hop, voilà. Allez, j'essaie de vous faire le petit calcul et on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve après... j'y ai passé un petit peu de temps, j'avais un petit peu de mal au niveau des règles de 3, au niveau de la feuille Excel aussi, il a fallu faire des calculs. J'essaierai de vous mettre, je sais pas trop comment, un lien vers une Dropbox ou quelque chose avec la feuille Excel que j'ai utilisée. Le fait est que j'ai utilisé, donc je vais vous montrer un petit screenshot. Voilà, et donc sur ce screenshot, on a à gauche l'objectif à atteindre, c'est-à-dire que là, j'ai mis le nombre d'usines déjà, j'ai donc 16 usines qui fabriquent un objet en 12 secondes et qui a besoin pour fabriquer cet objet de un seul élément que je veux calculer, en l'occurrence les moteurs, donc, ce qui correspond bien aux potions bleues. Voilà, et donc j'ai un résultat qui me donne 13,3, donc 13 un tiers. On va mettre donc 14 pour être juste usine de moteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc il en manque 2. On va en rajouter donc. Et voilà, là on est bon, j'en ai 14, donc là effectivement ça devait pas stacker. Voilà, on voit que je suis un peu en rade. Et là, normalement, j'ai une production, si effectivement ces usines tournent à fond, que j'ai assez d'engrenages, qu'évidemment elles sont assez alimentées, je devrais avoir assez d'usines pour alimenter mes 16 usines
de potions bleues. Voilà. Dans le tableau de droite, donc la seule chose que j'ai à mettre, c'est le temps de fabrication de l'élément en question. Voilà, c'est la seule chose qui va vraiment importer, puisqu'on essaie de faire un calcul par minute, hein. Je ramène tout ça à des calculs par minute, tout est un peu transparent dans la feuille Excel. Mais voilà, en tout cas, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. On va voir si effectivement ça marche bien. Je vais laisser tourner ça un petit peu, le temps que ça produise. On vérifie bien que là il ne manque rien. Il faudra que je rajoute du béton un peu partout là, pour pouvoir me balader tranquillement. Là il y en a. Ah oui, c'est parce ils en prennent. Ils se chargent à fond, donc ils en prennent 3 chacun. Donc je pense qu'il va falloir laisser encore un peu plus de temps. Voilà, il se charge. Je sais pas pourquoi il prend 3 moteurs. Il en prend 2, il prend 3 moteurs. En fait, ça dépend. Des fois, il prend 3 moteurs. Des fois, c'est les foreuses et les circuits avancés qu'il prend. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Alors, c'est sûr que si. Le problème c'est qu'il les prend lui, mais du coup ça arrive pas jusqu'au bout. J'avais pas pris cet élément là en compte, mais de toute façon, normalement, je devrais quand même en avoir assez. Je revérifierai ça. Ma théorie était plutôt la bonne. J'avais oublié qu'effectivement ils en prenaient toujours plus que ce dont ils avaient besoin. En l'occurrence 3 fois plus des fois. On va voir si en laissant tourner ça j'arrive à stabiliser ça et si mon calcul est le bon. Je vous dirai ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce petit épisode un petit peu plus théorique, on va dire, vous aura plu. Et puis bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao ciao. Finalement, je vous reprends là tout de suite. Je me suis aperçu que j'avais 2 bras de sortie ici qui étaient à l'envers. Donc forcément, je n'avais pas les 14 usines qui fonctionnaient, mais que 12. Ce qui explique sûrement cela. Donc, on va regarder maintenant ce que ça donne. Mais du coup, je vais vérifier tous les autres quand même, on ne sait jamais. Et on voit que les usines tournent. Donc déjà, si elles tournent, c'est qu'elles arrivent à évacuer ce qu'elles ont produit. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, avec mes 14 usines, est-ce que du coup, j'arrive à tout alimenter? On voit déjà, ouais, ça arrive. Là, au moins, ça arrive jusqu'au fond, quasiment. Le temps que ça stack peut-être un petit peu. J'ai pas beaucoup de marge, hein. J'ai mis 14 usines au lieu de 13,3, sachant que ce sont des calculs complètement théoriques. Qu'est-ce qu'on va se préparer? On va se préparer l'exosquelette, pourquoi pas. Mais je pense que du coup, voilà, là c'est alimenté. Il manque que les 2 dernières. Celle-ci commence à réussir à attraper un moteur. Celle-là, il manque que celle-là qui n'est pas alimentée. Mais je pense que ça va se stabiliser. Il faut laisser du temps au jeu et aux usines de produire pour que tout se stabilise. Après, est-ce qu'il me faudrait peut-être pas un petit peu de marge supplémentaire, genre mettre une 15e usine de moteur pour vraiment stabiliser ça? Peut-être. Peut-être. Hein, ça commence à arriver. Celle-là est toujours pas chargée. Celui-là, on a un d'avance déjà. Bon, je pense que ça va se stabiliser. J'ai tellement peu de marge qu'au final. On va faire la productivité minière, c'est là. J'ai tellement peu de marge qu'il faut lui laisser beaucoup de temps, je pense. Donc, je ferai autre chose pendant la prochaine partie. On voit que déjà au niveau des recherches, ça alimente bien. A priori suffisamment, même si j'en ai une ici qui n'est pas alimentée. Alors c'est pareil, ils vont prendre un petit peu de. C'est 60 secondes la productivité minière. D'accord. Non, au niveau rendement, ça a l'air bon.
Je regarderai en cours de la prochaine partie, je ferai d'autres choses, on va laisser tourner ça tranquillement, à condition effectivement que non, au niveau du fer ça a l'air bon aussi. Donc ça marche, enfin ça devrait marcher, si effectivement je me répète, les usines peuvent tourner à plein régime et sont alimentées de ce dont elles ont besoin. Bien voilà, écoutez, finalement, je m'en suis pas trop mal sorti. Pour la prochaine vidéo, je vais aller continuer d'explorer. Je vais aller tirer un radar là-haut. De ce côté-là aussi, je pense. Ici, vers le bas, j'ai un peu peur de tomber sur... Et puis là, il va falloir que je passe au milieu. Je pourrais jamais tirer une ligne de train, donc on va oublier un peu l'idée. Et là-haut, de ce côté-là, et de ce côté-là, j'irai également mettre des radars pour découvrir un petit peu toutes ces zones. Et au niveau des fabrications, de l'automatisation, donc on va commencer, je pense, tout ce qui est piles. Il va falloir faire les piles, les moteurs électriques. On va commencer les châssis, je pense. J'aimerais bien avoir. Ah, je peux faire des robots-ports. Ça y est, enfin. Donc oui, on va attaquer tout ce qui est logistique. Ça va me, je pense, ça va beaucoup, beaucoup m'aider. Il faudra également penser à faire les potions de recherche noires. Je ne sais pas par où je vais commencer. La logistique, ça va être très, très long à mettre en place. Ben non, je sais. Je sais ce que je vais faire. Étant donné qu'on vient de débloquer la recherche, on va s'occuper de ça. On va s'occuper du réacteur nucléaire. Et on va en faire un ou deux et on va mettre en place tout ça. J'aurai besoin d'acide sulfurique pour les foreuses. Où est-ce que j'ai du minerai d'ailleurs? Où est-ce que j'ai du minerai d'uranium? J'en ai pas à côté de chez moi. Ça, c'est très embêtant. J'en ai là. 950 000, c'est beaucoup. Par contre, il y a du biters dessus, ça va être la galère. Il va falloir que je nettoie tout ça. Ouais, ça va être l'enfer là. Là, j'ai pas de radar. Le radar va pas assez loin pour voir la zone. J'ai exploré ça, mais ah, il y en a là aussi, 141 000. Mais ouais. Donc je mettrai en place. Ah, ça va être tout un bazar. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué, il va falloir mettre des trains, il va falloir mettre des wagons citernes pour amener l'acide là-bas. Parce que je vais pas tirer des tuyaux jusque là-bas, je préfère amener un train. Il y a déjà les voies qui sont là, donc je peux les amener rapidement ici. Je pourrais faire peut-être un rond-point ou une bifurcation à ce niveau-là pour partir de ce côté-là. Voilà, je pense qu'on va faire le nucléaire la prochaine fois, parce que au niveau électrique, on l'a déjà vu là dans cet épisode, que ça devient limite et critique. Le nucléaire va bien bien nous aider. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao, ciao.